Et oui, on se trouve donc à Naven. Naven, c'est juste à côté de Vesoul, en Haute-Saône. Et si on est à Naven, c'est parce qu'il y a quelques mois, lors d'une précédente émission, vous vous souvenez peut-être, j'avais rencontré Yannick qui travaillait comme documentaliste dans un collège de Vesoul. Et Yannick est passionné de la mode vintage. Il collectionne beaucoup de choses anciennes. Et il m'a dit un jour, il faudrait que vous veniez boire un café à la maison, c'est encore pire. Et bien, vous savez quoi? Ce jour est arrivé. Yannick, vous m'aviez pas menti, c'est incroyable cette cuisine, vous vivez vraiment là, vous? Ah oui, on vit là. C'est une maison familiale. La maison s'est transmise de mère en mère depuis 1885 et je suis le premier héritier masculin. Et j'ai l'impression que c'est l'une des rares cuisines en France où vous avez dû adapter la couleur des meubles à la collection, c'est ça? Ah ben la collection existait avant la cuisine. Donc il a fallu trouver les étagères qui allaient avec, il a fallu trouver les murs. Alors je vois, il y a une grosse collection de vaisselle, ça on peut voir juste à côté, c'est qu'une petite partie, c'est ça vous me disiez? Ça c'est un petit morceau, là c'est mes plus belles pièces on va dire. Ouais. Je collectionne la vaisselle, alors c'est très particulier, hein. C'est la vaisselle de la faïence. C'est-à-dire que quand je prends ça là, vous avez une petite crise d'angoisse? Je commence à palpiter là, oui, ouais. Je ventile aussi. Voilà, ça c'est, je collectionne la vaisselle donc Badonvillé, Digoin ou Clairefontaine, toute la vaisselle peinte au pochoir. Alors n'ayez pas peur, regardez, je la repose délicatement. Là, c'est bon? Là on va pas être d'accord. Ah mince, j'ai pas mis les autres. Ah zut, c'était pas la bonne collection. Bah vous mélangez Badonvillé et le Digoin, ça se fait pas ça quand même. En fait, vous étiez prédestiné à vivre à Naven, c'est ça, Yannick? Ah bah, je suis quasiment né ici, hein. Je suis né à l'hôpital de Vesoul à 500 mètres et j'ai passé quasiment toute ma vie à Naven. Parce que là, si on est dans la maison de la mamie, vos parents habitaient aussi à Naven? Oui, on habitait un petit peu plus loin, pas très loin du verger. En fait, Naven, c'est vraiment la campagne à 5 minutes de Vesoul. C'est exactement ça. Vraiment, les anciens jardins, les maraîchers, et on est en pleine campagne, à 3 pas du centre-ville. Et d'ailleurs, on voit même la motte de Vesoul. Pourquoi ça s'appelle la motte? Bah parce que c'est l'ancienne motte castrale de la ville, qui était couronnée par le château fort autrefois. Bon Clément, ça vous parle ces arbres? Ça, c'est un arbre de type végétal, je crois. Oui, très bien. C'est un pêcher de vigne, puisqu'en fait, à Naven, donc, les maraîchers possédaient souvent aussi un petit lopin de vigne, un petit peu plus haut. Avec les petites pêches de vigne. Sans que vous l'aimez, votre commune. On l'aime. Bon, merci. Nous, on va vous abandonner, Yannick. On va aller se balader encore un petit peu dans la commune. Ouais. Je voulais juste vous demander quelque chose, par contre. Vous n'avez pas peur? Non, je veux... Oui? Non, bah oui, pas de problème. Ah, super, merci. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Super, je teste ma jolie chemise avec des fleurs et résultat, il se met à pleuvoir. C'est bien ma veine, ma veine. C'est marrant, je le connais. En fait, Julien Casoli, c'est un champion paralympique qu'on suit depuis plusieurs années sur France 3. Je vais l'appeler, peut-être qu'il est dans le coin. Salut Julien, c'est Clément de France 3. Ah, salut Clément, ça va? Belle chemise? Ouais, merci, c'est gentil. Dis donc, tu vas rire, on est à Naven et je viens de passer devant un gymnase qui porte ton nom. Donc on s'est dit, ça se trouve, il est dans le coin. Bah écoute, ouais, je suis dans le coin, si tu veux, je peux venir même pouvoir vous dire bonjour. Ah bah c'est super sympa, on t'attend, on bouge pas. Ok, à tout de suite, ouais. Moi je dis que donner rendez-vous à Julien Casoli au gymnase Julien Casoli, ça envoie. Ouais, c'est vrai, c'est sympathique, quoi. C'est un gymnase qui porte mon nom, donc ça fait toujours plaisir de venir ici. Alors, merci de nous accorder un petit peu de temps, parce que je crois que tu es en pleine préparation. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, j'ai l'objectif, ce sera les championnats du monde à Dubaï. Donc là, je suis en phase terminale de préparation. J'ai encore une bonne semaine de grosse intensité de travail. Bon, on croise les doigts pour toi. Ouais, tu merci. Nous ramènes une jolie médaille. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Bah, ce sera les championnats du monde. Là, ce sera début novembre à Dubaï. C'est quoi Dubaï? Ah, Dubaï, c'est une grosse ville, en fait. On a dû arrêter l'interview avec Julien parce qu'il y a la classe d'Hélène, c'est les CM2 de Naven qui doivent venir s'entraîner. Ils ont quoi demain comme épreuve? Alors demain, ils ont le cross du collège. Voilà, le collège organise son cross comme chaque année et ils invitent les élèves de CM2 à participer pour déjà leur présenter le collège et la 6e. Bon, voilà. Je sens que c'est un des nôtres qui va gagner. On croise les doigts.
On va espérer. On va déjà espérer qu'il ne pleuve pas. Merci voilà. Beaucoup, Hélène. De rien. Vous avez une très belle chemise. C'est gentil. Non, ça me touche beaucoup. Merci. Ça me va bien ? Oui. Très, très bien. Cool.